Je n'arriverai pas à l'ouvrir sans la clé. Thank you.
Parfait, mais ce n'est pas assez chaud. J'en ai suffisamment. Thank you.
Ce mur doit donner sur la bibliothèque de la chambre de Léonard. La façon dont bougent les livres me fait penser à un mécanisme d'ouverture exigeant un code.
Ce mur doit donner sur la bibliothèque de la chambre de Léonard. La façon dont bougent les livres me fait penser à un mécanisme d'ouverture exigeant un code. Le chemin des plaisirs. Si je ne me trompe pas, la chambre où je dors se trouve juste derrière ce mur. Si je savais qui l'a occupé avant moi... Vous portez un très joli pourpoint, Valdo, très élégant. J'aime que mes invités se montrent sous leur meilleur jour. Je l'ai trouvé dans la chambre où je loge et il m'a paru plus approprié aux circonstances que ma veste de voyage. Vous vous êtes donc servi dans les affaires de Salé ? Vous êtes sans gêne, mais au moins vous avez du goût. Qui est ce Salé ? Son nom me dit quelque chose. Effectivement. Je suis d'ailleurs étonnée que Melzi ne vous en ait pas parlé. Mais peut-être que les deux protégés de Léonard ne s'entendaient pas à merveille. Salé était le grand amour du Vinci, son amant diabolique. Il était beau, intelligent, mais aussi menteur, voleur, et même faussaire à l'occasion. Il a occupé la chambre où vous dormez. Mais je ne pensais pas qu'il y avait laissé des affaires. C'est à lui que Léonard a légué une partie de ses vignes et de ses biens en Italie ? Exactement. Il a partagé tous ses biens matériels entre Salé et ses frères. Tous ses écrits ou presque sont revenus à son meilleur élève, Francesco Melzi, votre maître. J'ai entendu dire qu'un carnet de Léonard aurait été perdu. Et vous pensez qu'il se trouve ici ? Non, il se peut très bien qu'il ne s'agisse que d'une légende, mais j'avoue que cela m'intrigue. Je partage votre curiosité. J'ai même fouillé le manoir dans l'espoir de le découvrir, mais je n'ai rien trouvé. Si Léonard a laissé un secret derrière lui, il est certainement très bien gardé. Vous avez sûrement raison.
Vous semblez en connaître beaucoup sur De Vinci. Je me demandais si vous ne posséderiez pas certains de ses travaux. Les originaux sont très rares et je suis quelqu'un de très curieux. El Diablo, un vrai salé, charmeur et habile. Je vois clair dans votre jeu, jeune homme. Mais on ne s'invite pas si facilement dans les appartements d'une dame. Retournez donc à vos recherches. Nous reparlerons de tout cela plus tard. C'est pour moi? Elle est magnifique. Je l'ai trouvée dans le cabinet de Léonard. J'ai pensé qu'elle vous irait très bien. Merci beaucoup. Léonard était décidément un homme qui aimait les mystères. Le passage doit aussi pouvoir s'ouvrir de ce côté. Je m'occuperai de cela plus tard.
Dites donc, faut pas vous gêner, monsieur Valdo. C'est chez moi, ici. C'est modeste, mais on n'y rentre pas comme ça. Oula, excuse-moi, Saturnin. Je ne savais pas que tu habitais là. Je suis juste venu récupérer un mécanisme de fontaine que Léonard de Vinci a sûrement laissé ici. Vous êtes devin, monsieur. Comment vous savez que ce truc se trouve là? Une intuition, Saturnin. Une simple intuition. Bon, je veux pas le savoir, prenez-le. Trop aimable. Mais ne vous avisez plus de venir chez moi sans prévenir. Je n'aime pas trop les gens qui fourrent leur nez partout. Par contre, si vous voulez autre chose, je peux peut-être vous le vendre. Tu m'as dit que si j'avais besoin de quelque chose, tu pourrais peut-être me le trouver. Tout ce que j'ai est ici. Montrez-moi ce dont vous avez besoin, nous verrons si c'est possible de trouver un arrangement. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça fera une pièce d'or. Ça fera deux pièces d'or. Ça fera trois pièces d'or. Ça fera deux pièces d'or. Thank you.
Ça fera 2 pièces d'or. Ça fera 2 pièces d'or. Bravo, Valdo, c'est splendide. Merci, madame. Mais je n'y suis pas pour grand-chose. C'est une idée de Léonard. La fontaine est magnifique. C'est du beau travail, digne d'un héritier de Léonard. Merci. J'espérais bien qu'elle vous plairait. Décidément, vous êtes un parfait gentilhomme. Pourriez-vous faire une dernière chose pour moi? Bien sûr, je vous écoute. Sortez votre lyre, je vous prie. Qu'est-ce que j'aime la musique! Malheureusement, elle ne me le rend pas. Je me suis cassé la voix. J'ai dû prendre un peu froid pendant mon voyage. Je n'aurais pas dû chanter. Et ma femme de chambre n'est même pas là pour me préparer une de ses potions. Elle a mal choisi son moment pour rendre visite à sa sœur.
C'est bien ma veine. Si elle ne peut pas parler, elle ne va pas pouvoir m'aider dans mes recherches. Il doit bien y avoir un moyen de soigner ça. Saturnin connaît peut-être un remède. Il manque encore quelque chose. Madame de la Bourdaisière a perdu la voix et je me demandais si tu n'aurais pas un remède efficace. Elle a encore trop chanté. Le plus efficace, c'est un sirop fait avec du miel, du thym, du citron et de l'eau.
Il manque encore quelque chose. Je ne vois pas bien ce que je pourrais en faire pour le moment. Inutile d'assister. Il faut que je lui trouve un remède, sinon elle ne pourra rien m'apprendre.